Madame la Présidente, chers collègues, bien que nous soyons habitués depuis bientôt 6 années à lire vos rapports creux et vos discours plus démagogiques et électoralistes les uns que les autres, je dois avouer ne jamais m'y faire. La préparation d'un contrat de plan État-région devrait faire place au sérieux, à la rigueur, à l'ambition et aux actions concrètes. Ce protocole de préfiguration d'un contrat de plan État-région est une preuve de plus, s'il en fallait une, non pas de votre compétence, non, mais une preuve de votre manque d'ambition et pire que tout, de votre capacité à tenter de tromper les électeurs et à les endormir. Votre empressement à présenter ce contrat de préfiguration à la veille des élections, alors que ce CPER ne sera signé qu'avec la prochaine majorité, est également une preuve de l'utilisation que vous en faites de ce dossier. Alors qu'un contrat de plan État-région constitue un outil de développement important entre l'État et la région pour la mise en œuvre de projets structurants, vous réussissez à pondre un rapport plein de belles paroles, mais dépourvu de concret. En relisant une dernière fois hier soir ce rapport, pour m'assurer de ne pas avoir rêvé, j'ai eu l'impression d'entendre notre président de la République nous annonçant son référendum sur le climat. Une énième manœuvre électorale. Protéger notre planète, qui serait contre? Les mots ne font pas les actes. Il en est de même pour ce rapport que vous nous présentez. Investir tous les relais de croissance, oui, qui serait contre? Faire de l'Occitanie une région exemplaire, oui, qui serait contre? Il y a d'ailleurs du travail en la matière vous concernant. Agir pour la santé des Occitans, oui, qui serait contre? Favoriser l'accès à l'enseignement, oui, qui serait contre? Je pourrais continuer ainsi de très longues minutes, mais je vais vous l'épargner. Des paroles, toujours des paroles. Fixer les objectifs, fixer les stratégies, des axes, c'est le rôle même d'un plan État-région, me direz-vous. Mais oser présenter un accord de préfiguration aussi creux, aussi imprécis, alors que nous parlons de 5,7 milliards d'euros, c'est à votre image. Un pur outil de communication retouché, à n'en pas douter, par votre directeur de campagne, pardon, par votre directeur de cabinet. 5,7 milliards d'euros, rien que ça. Enfin, pas tout à fait. Les plans se succèdent. Les crédits sont fléchés, refléchés, et quand vous mettez 1 euro sur la table, vous réussissez à annoncer, madame la communicante, 3 euros à travers des plans successifs annoncés en grande pompe. Les électeurs sont trompés. La presse reprend bêtement vos communiqués via un copier-coller. Et les élus de votre majorité, ainsi que les Macron compatibles ici présents, qui n'ont jamais lu aucun dossier en entier, votent sans même savoir ce qu'ils votent. Ah oui, vous n'êtes pas une incompétente, madame la présidente. Vous êtes même une experte en tromperie. Heureusement, votre règne arrive à sa fin et nous aurons, nous élus du Rassemblement national, l'occasion de renégocier ce contrat de plan État-région à notre élection en juin prochain et serons en capacité de présenter des priorités plus concrètes et des actions lisibles et visibles par les habitants de notre région. Merci.